Alors, le déroulement d'une séance de cryolipolyse. La cryolipolyse est donc un traitement médical totalement innovant et indolore et qui s'adresse à des patients, hommes, femmes, qui ont un IMC compris entre 25 et 30. Lors du déroulement d'une séance, la première chose est à mesurer le tour de taille en prenant comme repère les points des hanches et l'ombilique. En deuxième chose, on mesure l'épaisseur du pli adipeux qui va conditionner le protocole de la séance puisque le protocole est personnalisé suivant l'épaisseur du pli cutané qui peut aller de 3 à 7 cm. La zone est ensuite marquée, donc soit au niveau des poignées d'amour, soit au niveau du bas-ventre. Des photos sont ensuite réalisées du patient avant la séance et le patient là peut maintenant s'installer sur le divan. Donc le patient est donc installé en position confortable. La zone à traiter est donc désinfectée à l'alcool à 70. Un film hydrofilm pour protéger la peau entre le contact de la peau et la cryode sera posé sur chaque partie de la zone à traiter et les cryodes, donc le vacuum, sera positionné au niveau de la zone à traiter d'un côté ou de l'autre ou bien une seule zone et le programme ensuite sera personnalisé suivant l'épaisseur du pli cutané adipeux et la séance va démarrer et dure environ entre 45 et 60 minutes. Il va se produire une dépression et une aspiration. À la fin de la séance, au bout de 45 ou 60 minutes, suivant les cas, une zone rouge va apparaître au niveau de l'emplacement des cryodes et cette zone sera massée de manière assez ferme pour libérer les adipocytes afin qu'ils soient remis dans la circulation lymphatique et soient éliminés dans les semaines qui suivent.